réussite, c'est de créer du lien entre les partenaires. Après, créer du lien entre les partenaires et les personnes qui en ont besoin. Et puis, nous, en tant qu'agglo de Cergy-Pontoise, en tant que conseil local de santé mentale, on est là, on est ces petits points, ces petits traits d'union qui permet à chacun de communiquer avec l'autre. On a reçu beaucoup de particuliers, hein, et ça c'est bien. C'est bien, des gens qui se posent beaucoup de questions. On leur a expliqué ce que c'était, qu'un ESAT, parce qu'ils ont le nom, entre guillemets, mais ils n'ont pas le fonctionnement, à quoi ça sert, comment on y rentre, qu'est-ce qu'on y fait. Pouvoir échanger, pouvoir discuter, pouvoir rencontrer, c'est un peu notre cœur de métier quand même, la rencontre et l'humain. Et bien souvent, c'est un peu immatériel le lien qu'on a avec nos partenaires. Là, ça permet de concrétiser un petit peu plus la manière qu'on a de travailler ensemble. Il faut savoir que le secteur médico-social est en mouvance constante, surtout depuis Covid. Et donc, du coup, il faut recréer du lien et du partenariat. Et cette instance du Forum de la santé mentale, on regroupe quand même pas mal de monde. Et donc, les gens peuvent trouver une institution, un lien, un travail avec d'autres. Et je trouve ça extrêmement intéressant.